À La Réunion, la presse locale parle d'épidémie galopante face à la fièvre de chikungunya. Ce virus transmis par les moustiques, connu en Afrique et en Asie, n'était encore jamais arrivé dans l'île de l'océan Indien, où il se répand de façon spectaculaire. Fièvre, fatigue, douleur, boutons, les caractéristiques de la chikungunya. D'ailleurs, ce mot d'origine swahili signifie avoir les os cassés. C'est un combat qu'il faut sans cesse recommencer. À La Réunion, les combinaisons, les masques et ces drôles d'engins font désormais partie du quotidien. L'autre combat se déroule dans les laboratoires où les recherches avancent, car le temps presse. On pulvérise dans la végétation, cette végétation un petit peu dense. Parti du Kenya, il mute en septembre 2005 pour changer de variété de moustiques et envahir La Réunion. Dire qu'un jour, le chikungunya sera dans les grandes capitales du nord de l'Europe ou des États-Unis n'est pas quelque chose de totalement impossible. À en croire le directeur de l'hôpital de Saint-Denis, un enfant de 10 ans mort le 13 janvier dernier pourrait avoir succombé directement à une piqûre de moustiques. Le virus du chikungunya serait bien à lui seul mortel. Le Premier ministre l'a annoncé parmi le rappel de la batterie de mesures, mais c'est bien là une nouveauté, un centre de recherche et de veille sanitaire locale qui va voir le jour. Je souhaite que soit créé ici, à La Réunion, un centre de recherche et de veille sanitaire dédié aux maladies émergentes qui réunira toutes les compétences sur ce sujet. Je souhaite que ce centre soit un pôle de référence régional pour tout l'océan Indien. Et ce, pour faire face à l'ensemble des défis sanitaires. La crise du chikungunya, dont vous venez de voir l'impact désastreux qu'elle peut avoir sur la région océan Indien, nous a rappelé en fait l'acuité du problème des maladies infectieuses émergentes, surtout quand celles-ci surviennent dans un territoire naïf sur le plan immunologique. La raison qui a pu valider la création du CRVOI était en fait d'être en territoire d'émergence et d'étudier les facteurs d'émergence. Ces facteurs d'émergence, on a appris que la plupart d'entre elles étaient rapportables à des agents pathogènes zoonotiques, c'est-à-dire des agents partagés entre l'homme et l'animal, et donc que l'étude de la faune animale était essentielle, et en particulier la faune sauvage, puisque 60% de ces agents sont originaires de la faune sauvage. Et donc notre approche a été essentiellement une approche écosystémique, c'est-à-dire qu'elle aborde non seulement la maladie chez l'homme et l'animal, mais également l'animal dans son environnement, dans son territoire, et également les vecteurs qui peuvent participer à la transmission de la maladie. Madagascar is known for its huge biodiversity and its high level of endemism, which shelters many species unique in the world. Separated from the African continent around 120 million years ago, the Big Island constitutes an amazing area of investigation for environmentalists and microbiologists. Two scientists, Erwin Lagadec from CRVOI and Beza Ramezindurzana from the Association Vahatra, are going towards the Anjoma Cave, a refuge for several species of Minyopterus, small insect-eating bats. On site, they must present their research authorizations to get the support of the village chief. These two researchers are participating in a sampling campaign as part of a regional investigation aiming to identify infectious agents in circulation in the wild fauna of the southwest of the Indian Ocean. In the cave, they must be silent. It's important not to bother these small nocturnal mammals. On va d'abord se concentrer sur cette partie. Mm-hmm. Comme ça, on ne dérange pas les trucs en bas. On vient ici trier, on va choper les nocturnes après. Erwin and Beza catch specimens in different parts of the cave, even in the deepest parts, which entails crossing a few risky areas. Thank you.
je vais peut-être choper un troisième ou un frère. Erwan, a microbiologist, is taking samples from the thick carpet of guano in order to detect the possible presence of pathogens that could be liberated into the environment via the droppings. On leaving, the bats are counted and sorted by species. Some specimens will be subject to further studies, firstly in microbiology, to investigate the pathogens they may harbour, and secondly, to better understand their bioecology. Majunga is one of the three big commercial ports of Madagascar. It's an important crossroads of communication and exchange where international merchant ships and traditional dhows meet. As such, it participates in a constant mixing of people and animals and could be an entry or an exit to infectious agents, responsible for epidemics such as the Rift Valley fever or the plague. Researchers are now taking an interest in another group of bats, the Pteropodidae. Throughout the world, this big family of fruit eaters regroups species considered to be reservoirs to numerous pathogens capable of transmitting diseases to humans and animals. In Madagascar, as in other islands in the Indian Ocean, these fruit bats are sold on markets and are on restaurant menus. The consumption of bush meat figures amongst the factors of emerging infections. Donc dans la partie sérum en haut, on va pouvoir faire ce qu'on appelle de la sérologie, donc c'est de la recherche d'anticorps. Et en dessous, le globule rouge, nous, qu'on va conserver, donc tout le culot sanguin sur lequel Beza va travailler, lui, pour chercher les hémoparasites. Donc après, au CRVOI à La Réunion. Et je mets tous les tubes qui concernent le même animal ensemble, je fais un nœud. Tout ça, c'est au fond de l'azote et ça me permettra de tout récupérer plus facilement après pour trier au labo. The biological samples will be conserved in liquid nitrogen and will subsequently undergo serological and molecular studies to highlight an exposure of the animals to infectious agents such as bacteria or viruses. The association Vahatra, meaning roots in Malagasy, is issued from a WWF project in Madagascar and has already formed hundreds of young naturalist researchers and biologists through their research activities on biodiversity. On an international scale, Vahatra publishes a scientific journal, Malagasy Nature, dedicated to the valorization of knowledge of the natural history of Madagascar and the nearby islands, so enabling researchers to vulgarize the results of their work. Madagascar is one of the 35 biodiversity hotspots around the world. With its world-class researchers, amongst them teachers from the University of Antananarivo, who bring their in-depth knowledge of the field of Malagasy biodiversity, Vahatra is a key partner for scientists who are interested in the role of the wild fauna in infectious processes. The natural forest of Ankazomi Wadi, situated in the highlands, is one of the rare forests which are still preserved in Madagascar. Its fauna is the object of campaigns of study and follow-ups all year round. For 1 week, a multidisciplinary team will deploy a field laboratory to facilitate catches and preliminary analysis. Achille Razoli Manana, herpetologist and president of the association Vahatra,
brings his experience to the field and to the whole team, made up essentially of young researchers and students. He studies and describes species of amphibians and reptiles present on the site. This work will complete the important knowledge accumulated by Varadra on these species in Madagascar. On the edge of the forest, Marie-Jeanne Rayuri-Lalao, ornithologist, oversees the pose of nets. She hopes to collect enough birds around the edges of the pond and paddy fields for her studies. Like for the other animals, the birds are put into individual cotton pouches to be transported back to the field lab. Amongst the animals sampled, there are small land mammals, of which Madagascar has an incredible diversity, endemic for the most. On the field, Vuongi Suari Malala, mammalog, in charge of the study of these small mammals at Varadra, directs the maneuvers. One of the capture processes uses online traps called pits or pitfall traps. These barriers consist of a plastic film which is stretched over 100 meters, creating, for small mammals, an impenetrable wall. Every 10 meters, buckets buried at ground level irreversibly trap small mammals trying to get around the obstacle. The capture of small arboreal mammals necessitates the installation of cages cleverly placed on the paths of these animals. The locations must be noted and visually signalled to facilitate their recovery. Back at the field lab, all the morphological measurements of each animal, height, weight, sex, reproductive status, are carefully noted. The parasites, fleas, ticks, and lice, are collected, as well as all samples that will later be used to search for infectious agents for medical or veterinary interest. Every morning, Vuongi opens the traps. Here there's a black rat, Rattus rattus, an invasive species. Et il y a aussi une grande différence au niveau du pelage, mais on va voir tout près au campement. The researchers have observed by sampling the same site over several years that the installment of man on the site is accompanied by a scarcity of native species in favor of the introduction of animals such as rats. She pursues the collect in the pitfalls. Ah, là, c'est une patte avec lui. Ah, il est vraiment petit.
Et voilà, ah, il a une croustique là. Back at the base camp, each individual is identified and measured. The work of sampling and analysis continues. Everyone knows what they must do. At the end of the mission, plastic and buckets are recuperated. After the researchers have left, no trace will be left on these sites, even though they have hosted an intense scientific activity for a whole week. Throughout the Run Emerge project, meetings have enabled the scientific community to share and present their work. In Antananarivo, the symposium entitled Movement of Zoonosis and Indian Ocean Parasites was one of the highlights. L'une de nos thématiques phares de recherche est la recherche d'agents infectieux, de pathogènes pour l'homme, potentiellement pour l'homme, dans la faune sauvage de la région océan Indien. Donc pour mener à bien ce projet, on travaille en collaboration avec une série d'associations et de scientifiques, d'universitaires de la région, notamment de Madagascar. Et donc en partenariat étroit avec eux, on va aller rechercher dans la faune endémique, sauvage, locale, si on a des agents infectieux et s'ils circulent entre les îles. Donc ici, je suis venu à l'occasion de ce colloque sur les zoonoses dans l'océan Indien et qui est l'occasion pour nous de présenter nos résultats, de les confronter aussi aux données de nos collègues. Et donc, je me suis attaché à expliquer en quoi les systèmes insulaires, et en particulier celui de l'océan Indien, est très adapté à l'investigation des phénomènes d'émergence, ce qui explique en partie pourquoi on a des résultats aussi novateurs et importants dans la compréhension des mécanismes d'émergence. Le virus vient d'Afrique de l'Est et est passé par les Comores. Par ailleurs, j'en ai profité également pour présenter le travail de mes étudiants. Amina Issouf, étudiante comorienne, qui va venir présenter le travail qu'elle a réalisé sur les tiques des Comores. J'ai également présenté le travail de Yann Gomard sur les simuli, qui sont tristement célèbres car elles sont vectrices d'oncocercose en Afrique, la cécité des rivières. Notamment dans le cas de l'homme, ça va provoquer une maladie grave qu'on appelle oncocercose. The Pasteur Institute of Madagascar has been implanted for nearly 100 years. It's one of the CRVOI's partners on the Big Island. Back from the field, Erwan brings his samples and talks about the progress of his work with Jean-Michel Hérault, virologist at the Institute. Erwan transfers the samples, which are preserved in liquid nitrogen, into freezers with very low temperatures, while waiting for them to be transferred to Reunion. Ces échantillons sont stockés dans des congélateurs à moins 80 afin de maintenir l'intégrité à la fois des échantillons eux-mêmes, mais aussi des différents agents infectieux qu'ils pourraient héberger. Ces échantillons, après, suivent un processus que nous avons standardisé ici au laboratoire de traitement afin de détecter les différents agents infectieux qu'ils pourraient héberger. Et cela commence dans un laboratoire de virologie de sécurité de niveau 3. Cela permet d'une part de protéger le manipulateur, puisque c'est un confinement extrêmement spécialisé pour ce type de manipulation, et d'autre part de protéger l'environnement, puisque aucun agent infectieux potentiellement hébergé par ces échantillons ne pourra sortir. Il y a grosso modo deux grosses étapes dans ce laboratoire. D'une part, les échantillons vont permettre de tenter des isolements viraux. Donc, on va essayer d'isoler des virus qui pourraient être potentiellement présents au sein de ces échantillons et on va essayer de les mettre en culture sur des lignées cellulaires. D'autre part, une partie de ces échantillons seront traités et on va en retirer les extraits d'acides nucléiques. Les acides nucléiques extraits de ces échantillons vont pouvoir sortir du laboratoire parce qu'ils ne sont plus pathogènes. Donc, on va pouvoir les manipuler. L'une des manipulations consiste à essayer de détecter au sein de ces échantillons la présence de différents agents infectieux appartenant à différentes familles virales, que ce soit d'origine bactérienne, d'ailleurs, ou d'origine virale. Et le travail des post-doctorants et des doctorants va permettre, en effet, d'une part, la découverte de nouveaux virus ou de spécifier que telle ou telle famille virale se retrouve plus particulièrement dans un hôte en particulier ou sur une île en particulier,
va permettre aussi de déterminer si nous avons des transferts interhyles ou entre les différentes espèces, entre des chauves-souris par exemple et des rongeurs ou vice-versa, mais aussi va permettre de comparer ces agents infectieux sur le plan moléculaire et phylogénétique et de pouvoir les classer, notamment s'ils sont nouveaux, ceci est très important. Beza, as well as other doctorates and other postdoctorates, has been able to lean on the project Run Emerge to develop his knowledge in parasitology. Run Emerge finances his trips like this one at the CRVOI. He finds the advanced equipment in these labs necessary to optimize his work and analyze his samples taken during his fieldwork. The Run Emerge project has supported teams involved in other projects related to the study of emerging diseases, such as wildlife, phytochic, or animal risk in the Indian Ocean. The groupings of researchers and technicians from the area on various symposia and piloting committees were leveraged to develop training in laboratory techniques and field manipulations. La mouche va quitter le cheval et va alors aller continuer son repassant sur un autre. The theory has not been forgotten. Ça, c'est la transmission vectorielle active, où là, on a carrément le moustique qui vient prendre son repassant. The rocky coastline of southern Reunion makes suitable nesting grounds for several species of marine birds, such as the Pacific puffin, widely present in the Indian Ocean. In the county of Petite Île, on the cliff, but also on the tiny island separated by a narrow strip of sea, researchers from CRVOI, the Marine Ecology Lab of the Reunion Island University, follow the evolution of the 1,000 couples present on this site. Tiens, Mathieu, si tu veux un sac. For several years, in order to know the migration of these birds, Mathieu Lecor has been equipping them with geolocation tags. Hence, he was able to determine the main migration routes of species of seabirds of the southwestern islands of the Indian Ocean. These data are valuable because they show that different populations can come into contact with each other. The CRVOI tries to determine if during these transfers, pathogens, such as the bird flu virus, may be introduced into the region. Donc on va faire un prélèvement de fesses. Donc on fait un petit écouvillon cloacal qui va nous permettre de chercher la présence de virus ou de bactéries dont l'oiseau pourrait être porteur. Et donc on va chercher après au laboratoire si l'oiseau est en train d'excréter donc des virus ou des bactéries dans les fesses. Voilà, ouais. Donc là, il y a un poussin au fond de ce terrier, mais en fait, il est tellement profond que là, on va pas pouvoir réussir à attraper le poussin. Donc on va le laisser tranquille, puis on va continuer sur la prospection sur les terriers suivants. Bague FS 88 938. Ouais, c'est ça. The birds are infested with ticks, above all on the small island, where a very high level of infestation can be observed. The team of scientists is trying to find out if the parasitism could be at the source of a low reproduction rate on this island compared with those nesting on the coastline where ticks are less present. Donc le bec 33,5. Il nous reste quoi? Oui. Laboratory-conducted research
has shown that these ticks carry a wide variety of bacteria and viruses, potentially pathogenic to birds, but also to humans. Scientists are also interested in the seabird colonies of Arid, a small granite island of the Seychelles, and its exceptional bird life. Arid is also home to several species of lizards, freshwater turtles, hawksbill sea turtles, and some green turtles during nesting season. In the 70s, a team of American researchers had already demonstrated the existence of a virus carried by ticks parasiting sooty terns. Arid gave its name to this virus. The extreme promiscuity of birds present in hundreds of thousands of couples facilitates the transmission of infectious agents between them. The NGO Seychelles Island Conservation Society provides environmental management of this protected marine area and regularly hosts researchers from all sources. To identify infectious agents associated with these seabirds, Erwan Lagadec and Laurence Waro lead the work for the CRVOI. With the help of the team of the Island Conservation Society, they will take samples for 7 days from over 300 birds of 7 different species. Okay, je recommence. Recently, the island was equipped with a laboratory that can process the samples in good conditions. Licia Calabrese, ICS researcher, is conducting a study on the ecology and sea migration of two species of arid puffins, the Pacific puffins, and tropical puffins, who have established a large colony on the western tip of the island. Erwan and Lawrence are involved in sampling to check their health and compare the results with those obtained at the Petite Île colony in Réunion. Puffins return massively to their burrows at dusk. Volunteers participate in the capture and are introduced to the manipulation and the usual sampling. What happened to number four then? Do you have a big bag for paper weight? Yes. No? Now this here, I have five here. No, it's the same. No, four. When can do something? The Arid Island Reserve remains one of the most natural islands of the Seychelles archipelago. It plays an important role in the study and monitoring of the unique wildlife that inhabits it. Located at the crossroads of routes between the East African coast and Madagascar, Mayotte is an ideal observatory for studying farm animal populations present on site. An important monitoring is carried out on cattle, sheep and poultry. Eric Cardinal, veterinary epidemiologist and microbiologist, is responsible for the Animal Risk Project. He meets regularly with local authorities and leaders of an animal epidemiological surveillance in Mayotte, the CISAM. Tu verrais quelles actions prioritaires, à ton avis ? À mettre en œuvre en coopération régionale rapprochée entre le CESAM, enfin en tout cas Mayotte et Comores et Madagascar. Mais déjà de faire le rapprochement, les connaissances des pathologies présentes respectivement dans chacune des îles, Madagascar, les Comores
et Mayotte, de façon à savoir quelles actions on peut préconiser pour éviter la diffusion d'une maladie d'une île sur l'autre, hein, que ce soit par des transports officiels ou via les clandestins, via les quoi ça. Et là, on a toujours ce système-là de, lorsqu'il y a une interception éventuelle d'animaux vivants sur les Kwassa-Kwassa, il y a toujours le système de nous prévenir et nous, on fait euthanasie l'animal. Volunteer breeders have formed an association, Coupe ADEM, and receive from it valuable support in the form of training, material and health assistance. Mohamed Ali is one of them. He installed his herd on Sazile Point. It's difficult to access by land, so he brings new animals by sea. Avant, j'avais beaucoup de zébus et chaque année, il y avait moins une quinzaine ou une vingtaine de morts. Depuis que j'ai adhéré à ADEM, jusqu'à jour d'aujourd'hui, ça va bien. C'est une association qui fonctionne très 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 bien ici à Mayotte. Mais maintenant, mes zébus vont bien. Donc moi, je suis toujours avec eux. The monitoring of herds represents for Bertrand Bouillet, an independent vet, a significant percentage of his business. He performs preventive and palliative care on farms, which enables to maintain the good health of the monitored farms. Bonjour Eric. Salut Bertrand. Ça va? Ouais, toi? Ouais, pas mal. Alors, bon, donc on est chez Monsieur Moilimou, là, c'est ça, hein? Voilà, tout à fait. On est chez Monsieur Rachidi Moilimou, qui est un éleveur qui a une quinzaine de têtes de bovins. Ouais, et des à peu près voilà, une quinzaine de petits ruminants. Donc il fait partie maintenant du suivi sentinelle à part entière pour l'épidémiosurveillance active, hein, dans le cadre du réseau Sésame. Combien de tuberculations tu dois faire là aujourd'hui? Sur tous les animaux, sur de les plus animaux. De un an. Bonjour, ça va? Ça va, et vous? Monsieur Moilimou? Bonjour, ça va bien. Ça va, et vous? Alors tu as attaché tous les animaux, c'est bon? Oui, c'est bon. Attaché. D'accord. Que récemment vous avez eu des problèmes de santé là sur les animaux? Des fois oui, mais je vois que depuis que la Sésame a ouvert ses portes, la santé animale s'améliore. En fait, on a créé cette structure de surveillance dès 2008 pour un peu mieux cerner les maladies qui existaient sur le territoire maoré. Le travail du Sésame se fait en lien avec le réseau Animal Risk, qui est un réseau à l'échelle de l'océan Indien. Et le but, c'est de savoir tout ce qui se passe dans toute cette zone de façon à mieux contrôler l'émergence de nouvelles pathologies. Et aujourd'hui, dans toute la zone océan Indien, nous avons des investigations particulières pour mieux cerner l'épidémiologie de certaines maladies, comme la fièvre de la vallée du Rift, qui est une fièvre hémorragique virale qui peut toucher l'homme. On a pas mal de maladies zoonotiques, c'est-à-dire à l'interface entre l'animal et l'homme. Et donc, on prend en considération cette dimension une seule santé, la dimension One Health, où on essaie de travailler autant sur la santé animale que sur la santé humaine. Grâce à des projets comme Renémerge, on a pu achalander nos laboratoires. On a aujourd'hui du matériel digne de ce nom qui nous permettent justement d'avoir des investigations, ouais, soit au niveau moléculaire, bon, soit au niveau sérologique. C'est par ce biais-là que nous pouvons aujourd'hui essayer de répondre aux préoccupations et des éleveurs, mais aussi de la santé humaine, en identifiant de manière précise les virus ou les bactéries, voire même les parasites, qui circulent dans la zone. The Malagasy Applied Research Institute was created by Professor Rakoto Ratsimamonga in 1958. The biotherapeutic laboratory under the direction of Professor Razoa Naivo has focused its research on emerging diseases. À Madagascar, dans les années 80, il y a eu cette résurgence soudaine du paludisme ayant fait des milliers de décès, qui a eu un autre nom qu'on a appelé Bémangou, c'est-à-dire la maladie des grandes fissons. On a fait des recherches et maintenant, cette partie de recherche semble déboucher vers des résultats vraiment remarquables concernant les chikungunya. Nous avons eu un projet qui est financé par le CRVOI et que nous avons appelé Phytochic. À Madagascar, nous avons collecté près de 900 plantes et nous avons testé les 900 plantes au laboratoire de virologie de Louvain. Nous allons poursuivre les travaux sur les maladies émergentes dans l'océan Indien pour ne citer que le paludisme, le chikungunya, puis une maladie assez rapprochée qui est la dengue.
Thorough phytochemical studies are conducted on many species of plants that are directly extracted after picking or after drying. The plant compounds are obtained by various techniques, including heating the plants in the presence of solvents. The extractions are then fractionated by chromatography and tested. Their potential toxicity is also studied. When a purified compound has useful biological activity, its structure is determined, then synthesized in the laboratory, or modified to increase its effectiveness. Biological tests are carried out on plasmodium strains, in vitro and in vivo, on mice from the IMRA PET department. This work, conducted at IMRA, led to the identification of promising new compounds that protect mice from malaria. Solofo Razafi Maifa seeks to purify and identify natural compounds from endemic Malagasy flora. Their biological activities could help in the fight against diseases that are a public health problem in Madagascar. More than just creators, chemists often draw inspiration from natural molecules to develop new medicines. Throughout the duration of the Run Emerge project, many researchers have come and gone in CRVOI. These visits have led to regular presentations on their work. Solofo presented the research he conducted on the treatment of malaria. Through its multiple sampling missions, the CRVOI has been able to describe many pathogens hosted by wildlife of the southwest region of the Indian Ocean. Its researchers are now trying to understand the ecology of these infectious agents and their dynamics in the environment using methods based on non-invasive techniques. The cave of Trois Bassins in Réunion Island hosts during the austral summer the largest breeding colony of bats in the region, reaching more than 100,000 individuals. To study the ecology of bacteria and viruses of this colony of small endemic mastiffs, the CRVOI team must first use personal protective means to avoid being exposed to strong ammonia vapors and to protect themselves from urine rains and mites in this confined environment. There's a lot more people than the last time. There's a little bit of a baby. Look at that. Everything that's rose is a baby. To be able to collect the droplets of urine as they are dropped in flight when coming out of the cave, plastic trays are arranged on the cave floor. Scientists in the laboratory then seek the presence of bacteria, such as Leptospira and Paramyxovirus. Once both trays are arranged in a precise way, researchers install a camera to film the bats so as to count the number of individuals as they fly away. All behavior and remarks are noted. Peut-être ça c'est un nuage de juvéniles que tu vois qui prospecte un petit peu, qui mange autour de la grotte et qui rentre. Il y en a quand même certaines qui sont bien parties. Il y a eu un vrai canal d'évacuation et là elle stagne et là ça pisse allègrement, tu vois. Mais il n'y a pas de jeunes, c'est que des. Enfin, il n'y a pas de bébés. Ici, donc, la plus forte concentration en goutte sur les bacs qui étaient installés donc, au centre, là, et puis évidemment, de moins en moins concentrés en goutte vers l'extérieur.
After recuperating the trays, urine droplets are counted and carefully recovered to be frozen upon return to the CRVOI lab. The first results of the research conducted on this site show that the aggregation of females in the cave during the calving period is accompanied by a sharp increase in the Leptospira and Paramyxovirus colonies, not known in humans. Researchers now want to monitor the dynamics of these infections over several years. Given the global threat posed by pathogens transmitted by mosquitoes and their growing resistance to insecticides, the CRVOI is developing environmentally friendly alternative strategies to control populations of mosquitoes. The Culex, a mosquito present all over the world, which prevents us from sleeping, and Aedes albopictus, the Asian tiger mosquito, which has invaded the world during the last 20 years, are the main targets. Au laboratoire, on est en train de développer une stratégie de lutte antivectorielle assez innovante, puisqu'on utilise une bactérie endosymbiotique, donc qui infecte naturellement les populations moustiques. Dans certaines conditions, elle va nous permettre de stériliser les femelles en population naturelle. Alors comment ça marche? On a réussi par croisement à insérer une bactérie qui venait de Istanbul, en Turquie, dans nos moustiques réunionnais. Ces mâles, lorsqu'on les lâche dans la nature, ils vont stériliser totalement les femelles sauvages. Et donc là, c'est des essais que je fais en laboratoire, mais on en a fait en conditions semi-naturelles. Et ça marche très bien. Alors en laboratoire, ce qu'on fait, c'est que ici, on a une lignée de moustiques sauvages. On va isoler les nymphes femelles. Et ensuite, on va faire des cages de femelles. Et on va ensuite les croiser avec nos fameux mâles que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors là, je vous présente Attila. Ces mâles Attila, ils marchent tellement bien, ils stérilisent tellement efficacement les femelles sauvages de la Réunion qu'on les a appelées Attila. Mais on développe la même stratégie chez Aedes albopictus. Maintenant, on a deux lignées qui fonctionnent bien, une pour Culex quinquefaciatus, l'autre pour Aedes albopictus. Il nous reste un dernier verrou technologique qui est développer une technique de sexage efficace qui nous permet de produire à des échelles industrielles des grandes quantités de mâles incompatibles avant de pouvoir envisager de les relâcher. Voici quelques résultats qu'on a obtenus de l'autre côté de la rue dans des conditions semi-naturelles. Donc on avait des grandes cages dans lesquelles on avait relâché 200 femelles en présence d'un nombre croissant de mâles Attila et également en présence de mâles sauvages. Quand on n'a pas de mâles Attila, on a 0% de stérilité induite. Et ensuite, quand on augmente la proportion de mâles Attila, on arrive à 100% de stérilité. Les femelles sauvages de la Réunion ne font pas la différence entre les mâles Attila et les mâles sauvages. Les séquences que nous venons de voir illustrent les développements qui ont pu se faire à l'Université de la Réunion grâce au soutien de la Commission européenne à travers son programme Capacité, par le programme spécifique RAN Emerge, et qui ont permis de développer les interactions entre les divers groupes qui travaillent sur les maladies infectieuses sur l'île. Je pourrais citer en particulier le développement du contrôle vectoriel par la technique de l'insecte stérile dont vous avez eu tout à l'heure quelques explications. Le deuxième exemple, c'est l'élucidation des mécanismes de cette hétérogénéité extrêmement importante dans la fréquence, dans la prévalence de l'infection par leptospire entre les îles de l'océan Indien, où on vient de démontrer en fait que ce sont des espèces différentes qui sont présentes dans chacune de ces îles. Enfin, un dernier exemple, celui de la fièvre de la vallée du Rift, la démonstration du rôle important du déplacement des cheptels entre les îles et le continent africain qui a pu en fait transmettre la maladie d'abord aux Comores, puis à Madagascar. Voilà quelques exemples de ces résultats qui ouvrent des perspectives, bien entendu, pour l'avenir, portés par deux développements que nous essayons d'introduire les prochaines années dans le centre. La première consiste à introduire les études fonctionnelles sur les vecteurs pour essayer de comprendre pourquoi un vecteur peut être dans un cas avoir une bonne compétence vectorielle et dans d'autres cas ne pas avoir une bonne compétence vectorielle.
Et la deuxième, c'est le développement des modèles animaux, expérimentaux, pour essayer d'expliquer plutôt quelle est la raison qui fait que les chauves-souris, par exemple, et les rongeurs sont deux réservoirs extrêmement importants d'agents émergents et quelles sont les particularités de leur réponse immune qui pourraient en rendre compte.